Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Hazel et Sora. Voilà, on espère que la vidéo vous plaira et que vous passerez un bon moment entre notre compagnie. Yeah, bon visionnage. Comment ça, ça filme? Tu m'avais pas dit que ça filmait, en fait. Mais si. Pas toi. Ça y est, t'as enfin changé ta coupe de cheveux? J'aime beaucoup ton lusitanien. Thank you. Alors, je t'inspecte, je regarde tous tes chevaux. Alors, j'en vois un qui n'est pas niveau 15, deux qui ne sont pas niveau 15, trois qui ne sont pas niveau 15. Bah après moi mes chevaux 4. Mais après t'en as pas beaucoup. Ouais mais t'en as pas beaucoup en soi. Moi j'en ai pas énormément. Moi faut trop que j'ai mon deux niveaux, j'en peux plus là. Oh j'adore le nom du groupe de la meuf à côté. T-Rex Roses. Est-ce que je t'avais déjà expliqué que je voulais devenir paléontologue? Oui. Ah oui ouais, c'est vrai. Bah, et ouais. Maintenant la communauté le saura, je suis fan des dinosaures. Du coup, oui, on a vite compris. Hein. Rare. Elle s'est laissée aller là. Oh là là, ça va ressortir, ça, t'es au courant? Je vais mettre une grosse photo de T-Rex là. Un T-Rex trop mignon avec un truc, tu sais, un petit nœud rose là, en mode so coquette. So coquette. Je suis aléatoire, j'en ai marre. Est-ce que les gens ils te cassent les burnes à toi? Je parle en vraie vie. En vraie vie, bah oui. Mmh. J'en ai oublié ma syntaxe. Comment dire? Du coup, oui, les gens, ils sont malades. Et ils mettent pas de masque, ces enculés. Du coup, moi aussi, je tombe malade. Sauf que... Bah, le problème, c'est que je suis hypochondriaque. Bah oui. Reste à côté de moi. Stop, arrête-toi. Okay. Ah la vache, oui, effectivement. Ah, je me prends un rocher, je me suis pris un rocher. Fuck. Nique sa mère. Je me suis fait dépasser par tout le monde. Moi, l'essentiel, c'est de finir ma course pour avoir l'XP. Et les 200 chenilles nous servent quoi, quand même? Oh, je suis quatrième. Ah ouais. Délire. Qu'est-ce que ce délire-là? Non, mais attends, genre, je prends un cheval qui est bas niveau. Genre, je fais un bon classement. C'est les autres qui sont nuls à chier. Ouais, peut-être. Bah non, il y a quelqu'un qui m'a redépassé, je suis cinquième. Je suis sûre qu'il y a des gens qui m'ont bloqué parce que je les vois pas me dépasser, les gens. Ah putain, j'ai entendu, là, avec ton bruit de bouche, là. Putain, tu m'as déconcentré là. Ah oui, j'ai vu. T'es bouffé l'obstacle. Plus, t'avais dit juste avant, je promets de gagner pour toi. Pas du tout. Oh, il y en a une qui a été éliminée. Ah, je suis troisième. Ah, je suis quatrième. Oh non, elle va me doubler. Putain, vas-y. Oh, se pourrait-il que j'arrive troisième? Oui, oui. Allez hop, je t'ai eu. Ça parce que je me suis pris l'obstacle quoi. Ah, tu sais mal. Quoi? Eh ben, attends, t'es où? Regarde bien la tête de mon cheval, attends. Regarde bien la tête de mon cheval, ok? Tadam! Bon, après, c'est quel championnat? Du 1013, je pense. Hein. Ah, comme d'habitude, hein? Il est quelle heure? Il est 21h. 21h30, attends. Ah, tu disais quoi? New Hillcrest? Eh ben non, c'est Valédal. Mmh. Genre, un des pires. Bah, on fait une reconduite, non? Ou on galope? Bah oui. Ouais, on fait une reconduite. Ah, Hazel est connectée. Bonsoir, mesdames. Bah, du coup, moi, j'ai fait une reconduite, Choupi. Mais non, mais t'abuses, on aurait pu faire le chemin ensemble, dis donc. Mais je sais pas gagner une reconduite, je sais pas, moi. Ah bah t'es là, oui, coucou. Je te donne juste pas la nourriture à tes chevaux parce que bah c'est cher, en fait. Bah ouais, du coup, espèce de gros rat, va. Moi, je suis un rat. Je peux te faire c'est pas ta sugar mommy, hein. Alors, tu vois mon écurie ou pas? Mais tu peux venir aussi. Bah non, toujours pas. Voilà. Oh, il est trop mignon. Est-ce que ces trucs-là, tu les payes en starpoint? Mais c'est quoi cette idée? Genre vraiment, on nous a vendu le truc en mode on va avoir une écurie qu'on va pouvoir personnaliser et tout, le truc, juste pour un coloris, ça te coûte 120 star coins. Bah ça, vraiment, on nous a dit vite. Mais clairement, tout débloqué. Ou imagine les trucs qui te plaisent pour avoir une écurie stylée, bah c'est que des trucs en star coins. Bah en fait, t'as des gens qui ont vite fait dépenser plus de 1000 starcoins juste pour custom leur écurie.
Bah c'est clair. C'est le problème puisque bah de rien mes serpents je les économise pour des chevaux, pas pour me refaire une écurie. Bah tu m'étonnes. Non mais en fait ça me sidère moi parce que honnêtement en fait avec tout l'argent qu'on donne à SSO, ils ont les moyens tu vois, ils ont pas besoin de nous refaire acheter. Genre ils mais pourraient clairement. Baisser des prix mais je sais pas. Hein. Mais c'est comme juste en fait pour avoir accès à telle personnalisation tu dois la débloquer genre un shilling. Ok, mais... Oui. Enfin, en fait, pourquoi tu fais pas quelque chose de plus abordable? Parce qu'en fait, justement, du coup, les personnes, du coup, elles peuvent pas spécialement acheter, vu que ça coûte cher, elles ont pas forcément envie de débourser autant, mais tu vois, ce serait 1000 ou 2000 shillings, genre, vie quoi, tu vois? Ça, serait, ça, encore, à la rigueur, on pourrait farmer, du coup, faire des courses et dépenser, tu vois? Mais là, en fait, on peut même pas dépenser. Enfin, en fait, clairement, on n'a pas de pouvoir d'achat. Bah, c'est clair. En fait, SSO, c'est de la merde. Pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent trop de prix. Ouais, c'est le rapport qualité-prix, en fait. Non, mais c'est le rapport qualité-prix, quoi, en fait. Bah, enfin, non. C'est ça, mais justement, comme je dis, avec tous les gens sur SSO, je suis désolée, ils ont de l'argent. Ils peuvent pas dire le contraire, ils ont de l'argent. Rien qu'avec l'événement médiéval, on compte 60 000 nouveaux joueurs. Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai jamais compris, mais c'était quoi notre récompense, en fait? C'était les 150 Starcoins. Le code à 150. Ah ouais ? On a chié, quoi. Oh d'accord. Bah ouais, c'était ça la récompense. C'était 150 Starcoins. Oh là là. 150 Starcoins pour 60 000 nouveaux joueurs. Ouais, mais bon. Je trouve qu'il y a un tout petit écart, quoi. Ouais, clairement. Genre, je sais pas, ils auraient pu mettre encore 600 Starcoins. Tu vois, genre un truc de fou. 600 à 1000. Parce que du coup, on n'a même pas eu d'événement anniversaire en fait. Ce qui a remplacé l'événement anniversaire, c'est du coup l'arène médiévale. En fait, je suis dégoûtée. Moi, je pensais qu'on allait avoir. En plus, on n'a même pas eu de cadeau à part le pull pour le 13e anniversaire. Et à la rigueur, encore celui-là, je le trouve joli parce qu'il est en vert, il a de belles couleurs et tout. Mais franchement, ils auraient pu faire autre chose, quoi. Vraiment. Pour le coup, la récompense, je la trouve pas à la hauteur du défi. Parce que 60 000 nouvelles personnes sur le jeu, je trouve ça beaucoup, tu sais. Surtout pour un jeu comme SSO. Hein. Du coup, je trouve que 150 Starcoins, c'est très petit. C'est pas équilibré, mais en c'est fait, proportionnel. Puis même, bah, le clairement. Rapport qualité-prix du jeu en lui-même, de Star Stable. On paye 70 euros. Ou 50, du coup, si c'est en réduction, pour un jeu buggé à mort. Et on n'a pas la possibilité de faire quelque chose avant d'attendre certains mois. Ouais. Et t'as quand même des contraintes. Et ça, je trouve ça absolument débile, parce que, enfin, je suis désolée, moi, je vais m'acheter Monster Hunter Wild à 70 balles sur PS5, et j'aurais pas besoin d'acheter autre chose, tu vois. Et le jeu, il va être excellent, alors qu'il paye... Enfin, il coûte que 70 balles sur PS5 avec une excellente qualité, un excellent rapport qualité-prix. Enfin voilà. Alors que SSO, on aurait pu se passer de payer 50 euros pour ça. Oui, après, je peux comprendre. Mais eux, tu vois, ils font des mises à jour régulièrement. T'as toujours de nouveautés chaque mercredi. Après, oui, c'est sûr, à chaque fois, ils nous mettent, tu sais, une petite notification. Des fois, ils font un post sur Instagram. Bug, it's fixed, ou je sais pas quoi, are fixed. En mode, bah, ils ont été résolus. Mais, tu sais, des fois, t'as toujours des bugs. C'est comme, en fait, comme disait Melissa Westfall et d'autres joueurs et joueuses, tu sais, il y a toujours le bruit de quand un autre joueur, penser curer les sabots ou donner à boire à son cheval ou à manger qu'on va entendre en fait. C'est ça, c'est mais un truc considère. Oui, mais moi aussi. Mais justement, c'est de ça que je parle en disant un bon rapport qualité-prix alors qu'il y a des bugs de malade. C'est que Monster Hunter, là, va y avoir des mises à jour aussi. Mais dès le début du jeu, pour éviter aux joueurs d'avoir tout le temps des mises à jour chaque jour, etc. En fait, là, c'est impossible. Enfin, je suis désolée, mais c'est pas possible, en fait, qu'on nous sorte un jeu comme ça. En mode, il y a des bugs et tout, ils les règlent même pas. Genre, ils les règlent tous les mercredis, mais sortez-nous quelque chose ou qui soit directement bien, je sais pas. Bah, si tu savais, les Sims 4, ma pauvre, c'est à peu près pareil. Je crois que c'est le même genre que Yandere Simulator, par exemple.
Genre le Yandere Dev, du coup le développeur et tout, il voulait pas corriger les bugs. Il a eu la possibilité de faire un partenariat avec les personnes qui ont fait Hello My Neighbor. Mm-hmm. Et genre il a refusé de juste mettre son jeu en suspens le temps de reprendre la base du jeu pour corriger tous les bugs. C'est une dinguerie. Ça va pas de sens. Juste, il y a moyen de corriger ça, quoi. Ça va pas de sens. Ça va pas de sens. On a dit la même chose. Mais ouais, clairement. Bon, mais en fait, on est connecté. Pour rajouter des fenêtres transparentes, mais chut. Non, mais vraiment, voilà, c'est sidérant. Parce que je suis désolée, mais t'as payé combien dans le jeu, par exemple, toi, Marie? Moi, en fait, je crois que j'ai dû payer Star Rider en 2015. L'abonnement devait être à quoi, 49,99, 45,99, quelque chose comme ça. Et donc après, moi, j'avais vu le jeu évoluer, quoi, avec tous les bugs, tout ça, les nouveautés, enfin bref. Mais à chaque fois qu'il y avait les Star Coins doublés, peut-être pas tous les mois, mais au moins, allez, 2-3 fois par an, je dirais, quand il y avait les Star Coins doublés, je m'en achetais, hein. Avec mon argent de poche à moi que j'économisais quand j'étais gamine, hein. Donc j'en ai quand même acheté pas mal, hein, mais... T'en as acheté vraiment pas mal, genre. Ouais, ouais, ben en fait... C'est pas normal que tu payes une somme comme ça pour te retrouver avec un jeu buggé. Et ils mettent même pas l'effort de régler certains problèmes. Non, je suis désolée. Non, parce qu'en soi, le bug de l'écurie, du coup, où t'entends les autres et tout... Ça fait combien de temps qu'il est là, celui-là? Mais ça fait depuis qu'on a la nouvelle écurie, je pense, hein, depuis qu'on a les soins qui ont changé ou quoi, hein. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Donc ça fait déjà un moment. Bah oui, puis c'est comme je te dis, Melissa Westfall, elle arrête pas de le dire dans ses vidéos, hein. Dans ses vidéos, elle arrête pas de le dire. Je sais pas si vous regardez un petit peu ses vidéos, mais elle le dit, hein. Ouais. Ouais, on regarde un peu. Enfin... Moi, pas énormément, mais je regarde quand même. Mais c'est comme par rapport à l'event médiéval, là. Enfin, qui du coup n'est pas vraiment un event, mais un ajout permanent. Vous voyez, après avoir fait votre essai quotidien à la joute et tout, et ben en fait, la pose de votre personnage après, elle reste buggée, genre comme mais si vous continuez de tenir. Ça fait. Ça fait déjà plusieurs semaines, ça a toujours pas été corrigé. Ah non, mais ça, laisse tomber, hein. De toute façon, même quand j'y vais, par exemple, le matin pour faire la course quotidienne à la joute médiévale, je fais ma course tranquille. Le matin, je fais 2-3 trucs, je reste buggée tout le temps où je fais mes jeux. Je me déco, je me reco, j'ai plus le bug. Mais dès que je reviens à l'arène médiévale, c'est foutu. Le bug, il réapparaît même si je refais pas la course, hein. C'est un truc de ouf. Et toutes les joueuses longues. Hein. Ouais, ça c'est. Je sais que ça c'est un truc. Enfin, c'est vraiment the bug, quoi. Ça me sidère quand même. Pourrait faire un effort, je sais pas. Après, c'est peut-être compliqué, tu vois. Je peux comprendre la programmation et tout, mais un effort quand même. Au bout d'un moment, ils ont les moyens pour s'acheter de nouveaux employés, tu vois aussi. Après, ouais, quand tu vois leur bureau. Des nouveautés et tout ça. Bah oui, c'est clair. Donc, je suis désolée, non, ils n'ont pas d'excuses. Ils ont autant de moyens que pourrait l'avoir Nintendo, en fait. Hein. Maintenant, bah, après, c'est pas aussi grand que Nintendo. C'est surtout les gens qui achètent Zelda, tout ça. Ouais. Mais bon, ok, pas. SSO est pas à ce stade-là. Tu vois, genre, avec tous les joueurs qui achètent. Tous les Star Coins doublés, les Star Rider, tout ça. T'as besoin de beaucoup de conditions. Pour bien pouvoir jouer au jeu, tu vois ce que je veux dire? Ils ont de l'argent, ils n'ont aucun, mais alors aucun, comment dire, yes, j'ai bugué. T'inquiète, c'est pas grave. Mais après, ceci dit, je te rejoins parce que, en fait, si tu veux, SSO, c'est un peu genre le seul jeu de cheval que tu peux jouer, genre, comme on joue, genre, c'est-à-dire à monde ouvert, tu sais, pas MMO ou. C'est pas comme Equideo ou Alicia Online, là c'est vraiment tu montes ton cheval, les soins, tout ça, mais un effort quoi, juste ça quoi, surtout au niveau des bugs. Parce que j'ai envie de dire, à partir du moment où il y aura de la concurrence, il suffit qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se lance sur un jeu qui est le même concept et à peu près la même façon de jouer, mais en mieux,
genre avec moins de bugs, de meilleur design, et c'est mort. Ouais, peu, mais c'est meilleur ça, design, plus réaliste, tout ça, bah ouais, c'est mort, hein. Tu crois que les gens, même moi la première, hein, je vais chercher à retrouver un jeu comme SSO, mais en mieux. Mais c'est malheureux quand même de dire ça. Pour combler mon bonheur des poneys, bah je jouais aux Sims. Voilà. Ah ouais? Ouais. Même moi, tu sais, les Sims 3. Les Sims 3 surtout. Ouais, voilà, c'est ça. Avec les chevaux. Les Sims 3 quand j'étais gosse. Ouais. Bon, Azel, tu viens à Valédale? Sur les Sims 4. Tu viens faire le championnat, Azel, à Valédale? Je suis déjà à Valdale. T'es où? Moi aussi, je viens d'en capturer quelques-unes. Là, j'ai vu qu'il restait 10 minutes, je suis venue. Du coup, voilà, on a fait un petit moment débat sur SSO et tout. Petit coup de gueule. Oh bah, ça va pas s'arrêter là. Hein. J'aurais beaucoup de choses à dire encore, mais bon. Ah ouais. On va essayer de pas démonter le jeu. De toute façon, on râle, mais au final, on continue de jouer, donc. Ouais, clairement. Non, mais en soi, moi, je l'apprécie quand même, le jeu, t'as pas mal de choses à faire et tout, tu peux bien t'occuper dessus. Mais ouais, c'est vrai que il a des points positifs comme des points négatifs, j'ai envie de dire. Comme tout le monde, comme nous, on a nos qualités et nos défauts, j'ai envie de te dire. Et voici nous voilà. T'es où? Sora en mode. Elle peut pas supporter d'être sur le côté, faut qu'elle se mette au milieu, tu sais. Bah, t'as quoi toi? Tu veux te battre? C'est quoi ton problème? Bah, vas-y, déjà, t'es vas-y, malade, viens tu veux battre. Que je te rende encore plus malade? Viens te battre. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle de Tana Lang? De Tana Land, pardon. Ouais, parce que Tana Lang. Tana Lang. Oh là là. Bref. Bah, en soi, sur l'intention, Tana Land, je trouve vraiment pas ça con, hein. Ce que je trouve con, c'est la réplique des hommes. Des mecs, oh, Charoland. Avec pourquoi ils ont... Charoland. Mais... les meufs... Elle est trop con, hein. Les filles, quand elles s'inventent une île idéale, un pays idéal et tout, c'est un pays où il n'y a pas de mecs, où elles peuvent, du coup, s'assumer sans être jugées. Et les mecs, c'est un truc qui tourne que autour des meufs. Et que autour du... Et du coup, t'as marié avec le dragon que je veux avoir. Non, j'ai juste de remarquer que t'as le charbon. Dragon que je voulais avoir. C'est Régal. Est-ce qu'on parle déjà de son pseudo sur Discord? Ta gueule, s'il te plaît. Je te jure, j'ai vu une demande d'amis, une demande de message sur Discord. La première fois, il y avait marqué TG, s'il te plaît. Je me suis dit, mais attends, mais c'est qui ça? Qui m'insulte? Et en fait, non, j'avais capté que c'était juste un pseudo. Waouh. Non, c'est trop... On est ensemble! Oui! Oh putain, ça commence, j'avais même pas fait gaffe! Oh la vache! J'ai failli me faire avoir, ouais. Ok? C'est vrai que quand je veux quelque chose, je mets les moyens pour, quoi. Ah, ça, on l'avait vu, hein. Je me suis bouffé les rondins de bois. Ah là là. Du laser tout craché, ça. On est trop à être bloqué. Ah putain, je me suis pris le rocher. Non mais n'importe On quoi. Était trop à rester coincés, on n'arrivait pas à passer le premier obstacle. Mais non. Narita première, je te jure. Putain, ah oui, j'ai vu, je suis première. C'est une folie. Ouais, là pour le coup, c'est une folie. Je suis tellement naze au championnat. Mais bon, comme on a dit, le principal là, c'est de terminer les courses, vraiment. Là, vous allez voir, ça va me porter la poisse. J'y ai trop peur. Ouais, ça va porter la poisse de savoir que t'es proms parce que du coup tu vas te mettre la pression et du coup c'est là que tu vas te foirer. Ouais, exactement. Oui, exactement. Tu as tout compris, Bichette. Bah, en attendant, elle est toujours première, hein. Oui, mais parle pas trop vite, s'il te plaît. C'est pas comme Sora qui... Voilà, Sora. Yalla, qui est là? L'arrivée d'Aladin, c'est moi. C'est bien, c'est bien parce qu'il y a vous deux qui êtes en train de vous disputer le top du podium, et puis t'as moi, oula. Me bouffe quasiment tous les obstacles sur le chemin. Mais non, panique pas, ça va bien se passer. Je suis une putain de galérienne, ok. Ah non, je refuse que ça me fasse comme à New World Christ. Oh, New York, okay. Mais quel... J'aime pas comment j'ai ragé, et vraiment. Ah, mais vraiment, je l'ai insulté, le machin. Vraiment, hein, je l'avais insulté. Pour l'instant, les seuls championnats que je peux me piffrer, c'est Morlon et Fort Pinta, s'il te plaît.
Mais on est d'accord. Allez, allez. Ah, t'as fini première. Du coup, il est 21h30. Ah, bah je crois que j'étais avant-dernière. Le prochain championnat, c'est celui de la baronne. En fait, c'est vrai que je suis un peu la personnification de Jésus lui-même. C'est vrai que qu'est-ce qu'elle nous raconte. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Ah si, hein, non, j'ai un sens de l'orientation tellement pourri que même dans un jeu vidéo, j'arrive à me perdre. Ah ouais. Ah. Oui. Je déconne pas, je l'ai vraiment fait. Comme j'ai dit, c'est les gens, ils m'ont rendu malade à pas mettre de masque alors qu'ils sont malades, ces enfoirés. Elle pue le seum. Mais franchement, c'est bon. Je suis malade, je suis passée à l'infirmerie pour récupérer un masque, j'ai gardé toute la journée. Bah ouais, voilà, c'est le bon comportement à avoir. Non, mais eux, ils attrapent la grippe et ils la refilent à tout le monde parce que c'est mieux que de mettre un masque et d'être ridicule. J'en ai rien à foutre d'être ridicule. Elle pète son seum. Au bout d'un moment, l'université, c'est pas un moyen pour draguer, enfin, je sais pas. Enfin, si, pourquoi pas. C'est mieux ça que dans le métro. Ouais, enfin, j'espère que... Enfin, si les techniques sont meilleures que celles que Merci, du coup, tu m'as ouvert la porte, Hazel. Je vous raconte pas ce qui m'est arrivé ce matin, en fait, hein. Vas-y, mais raconte. Mais il y avait un mec dans le métro. Déjà, moi, je fais 1m50. Voilà, déjà, je fais 1m50. Ouais, mais déjà, je fais 1m50, donc personne ne me remarque, je me fais écraser littéralement, voilà. Donc ça, déjà, première nouvelle, j'adore me faire écraser tous les matins à 7h30. Deuxièmement, le mec ne m'a pas remarqué, donc, hein, et quand il a voulu sortir à son arrêt, il m'a littéralement fracassé le crâne avec son coude. Oh putain. Ouais, ça m'a fait mal, ouais, ça m'a fait un... Oh, ça m'a fait un tantinet mal. Un tantinet. Mais vous savez ce qu'il a fait pour s'excuser? Non. Vous savez ce qu'il a fait pour s'excuser? Il m'a fait un pat-pat sur la tête. Un quoi? Mais c'est pas ton chien. Je ne suis pas ton chien. Un quoi? Tu ne fais pas de pat-pat sur la tête. Pat-pat, comment ça? J'ai des petites tapes sur la tête. Bah c'est ça, il m'a fait deux tapes sur la tête en mode je suis désolée. Genre mais t'es sa gosse et tout, excuse-moi ma fille. Il a cru que j'avais 12 ans. Arrête. Que d'aventure. Ouais, et puis genre, tu fracasses le crâne de quelqu'un, tu t'excuses. Tu te mets pas à la toucher en plus. Bah ouais, en plus. Non mais attends. Non mais il touche les gens qu'il connaît pas, lui. Tu m'as pété des neurones, déjà. Ça c'est, frère, tu m'as fracassé le crâne. D'où tu te permets, en plus de ça, de venir me caresser la tête, quasiment. Hashtag disrespect. Clairement. J'ai plein de petites anecdotes comme ça tous les matins. C'est assez drôle. Hein. Ah enfin, ça en devient chiant à la langue. Hein. À la langue. À la langue. À la langue. À la langue. C'est pas possible. Putain. On est fatigué un peu, non? Bah, pas qu'un peu, tu vois. Parce que j'ai eu linguistique. Mais saute quand je te dis de sauter. Quand t'as réussi à nous mute sans faire exprès. Ouais, moi je sais pas si c'était vraiment sans faire exprès. Les filles! Sur le toit là, tu vois que je suis sur le toit là, Sora. Eh ben, oui. Tu me crois si je te dis que quand tu trottes, enfin quand tu marches, quand tu trottes, quand tu galopes, bref, avec ton cheval sur toi, ça fait des bruits de tuiles de toi en fait. Genre vraiment, genre. En mode, les créateurs des CSO, ils se sont dit « Oh bah tiens, ils vont monter sur le toit, et si on leur mettait des petits bruits de toit avec leurs chevaux ?» Bon, tu vas y arriver, oui? Je suis buggée. Allez, Sora, allez, Smooth Valley, allez, enfin, je sais pas, Smooth Valley. J'ai vu un frison de la même couleur que le tien, Sora, passer devant mon nez. Et non, mais le but, c'est de sauter en face. Hein. I hope I don't fall. C'était quoi ce bruit? C'est parce qu'en fait, elle a sauté mentalement en même temps avec son cheval dans le jeu, tu vois. T'as failli gerber de frustration là. Imagine. Non, c'était gratos. Et parfois, je dis des trucs, je m'en rends pas compte en fait. Et en fait, je les regrette après, donc n'écoutez pas ce que je dis. Je suis là pour vous rappeler que vous allez bientôt mourir. Vous êtes des humains. Venez, on se met dans un box.
Ah non, si on quitte... Écoutez, on se met devant le box. Voilà. Ah tu m'as vu sauter ou... Ouais, je t'ai vu sauter. N'importe quoi. Les groupes se créent. Tum, tum, tum. On est ensemble. Alléluia. Eyes of the tiger. Allez. C'est pas encore mieux, genre les onomatopées, mais avec IA. Ah non, au secours. Genre, c'est yeah bon, par exemple, la voix de Google Traduction en train de dire scrunch. Allez, je suis la dernière. Comment t'as fait pour être la dernière, toi? Je me suis pris un poteau. Non, mais t'abuses, Sora, là. Pourtant, c'est moi la meilleure de base, mais bon. On va dire que mon talent n'a pas envie de se montrer aujourd'hui. De base, hein, t'as dit. T'es carrément une snob. Mais tu sais ce que ça veut dire, snob? Vas-y, c'est... dis-moi la définition, hein. Comment elle agresse. Tu vas faire comme mon prof d'histoire géo à me demander la définition au mot à mot. Bah, si. Ouais, j'en étais sûre qu'elle allait répondre ça. Genre, relou, quoi. Le relou, quoi. Ouais, je vais que ça, dans son égo. Dis-toi que c'est un peu mon objectif de vie de devenir prof, hein. De faire chier les élèves. Donc ouais, je m'entraîne à... Ah, mais tu vas être prof? Bah ouais, c'est l'objectif, t'avais pas madame. T'avais compris, Marie? Bah non, du coup. Ça se remarque pas? Bah, un peu dans ton attitude, mais vas-y. Genre vraiment, c'est tacle sur tacle. Mais non, ça, pas abusé non plus. J'aime bien tout ce qui est toxique. Moi j'adore. J'adore la toxicité. Un des pupus. Ah oh ouais, carrément. Non, faut que j'arrête. Pas Adé Laurent, pas Adé Laurent. Oh là là. Je tombe du mauvais... Oh là, j'ai tout fait avoir, je crois. Non, je me suis pas fait avoir. Cinquième. Voilà. Vous êtes derrière moi. Je suis troisième. Je suis quatrième. Je fais même pas exprès d'être dans le podium. Non mais genre, vas-y les chevilles là, genre. Zéro en héros. Ah bah bingo, je suis septième. De zéro en héros, illico. Du coup, sur ce, ça termine la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, surtout de vous abonner si mon contenu vous plaît. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Au revoir. Bye, bisous.